Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, Paul, je suis obligé de rectifier une erreur que vous avez commise il y a quelques jours. Vous êtes là, Paul ? Ouais, bonjour, mon cher Laurent. Bonjour, mon petit Paul. En plus, je suis déçu parce que s'il y a bien un truc normalement dans lequel vous excellez, c'est les restaurants. Et sur la mer Brasier à Lyon, eh bien, vous avez commis une erreur. Vous avez dit qu'elle avait été rachetée par Nicolas Lebec, alors que c'est Mathieu Vianney qui a racheté la mer Brasier. Alors, ça change tout. Ah oui, Lebec est au fourneau, j'imagine. Ouais. Bon, c'est une petite erreur, mais je persiste et je signe en disant que ce excellent restaurant lyonnais sera triplement étoilé dans peu de temps. La mer Brasier. La mer Brasier qui a connu ses heures de gloire dans les années 50. C'était la grande époque des mers, mères cuisinières. C'est Mathieu Vianney et pas Nicolas Lebec. Ouais. Bon, ça c'est une petite erreur pas bien grave. Hein, et pas... C'est à nous de le dire si c'est grave ou pas. Et pas sur Lebec, comme dit le canard enchaîné. Voilà. C'est le moment de raccrocher, Paul. Oui, bah on se quitte. Allez, oui. Salut à tous et merci de votre gentillesse. Je vous souhaite un bon week-end. Et vous aussi. Vous m'avez pas répondu pour Brigitte Fontaine et la ville de Paris. Ah bah, ça se passe à cette heure-là et figurez-vous que... Mais je vous ai pas posé la question, c'est normal. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison, vous m'avez pas posé la question, il n'y a pas de raison que j'y réponde. Alors ce sera pour la semaine prochaine. Non, ce qui était rigolo, on peut le raconter quand même à nos auditeurs, c'est que Brigitte Fontaine est médaillée de la ville de Paris, sauf que comme elle est un peu excentrique, elle a demandé à ce que soit écrit sur... C'est sur le revers de la médaille, c'est où Non, en fait, c'est écrit, en fait, à l'heure où vous me parlez, on lui remet la médaille de vermeil de la ville de Paris. Sur le Bristol d'invitation, il y avait marqué championne de ski, ou quelque chose comme ça. Excellente skieuse. Oui, ouais, excellente skieuse. Mais ça n'est pas inscrit ni sur le diplôme, ni sur la médaille. Elle est médaillée pour le ski, en fait. Voilà. Donc, c'est Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine. Ouais. La vieille dame qui chante. Oui. Je me demande si l'invité d'honneur n'est pas reparti après tout ça. Oui. On va vérifier, c'est dans un instant. Après la pub. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent. Alors méfiez-vous parce que Philippe Tesson et Pierre Benichoux sont là, évidemment, pour voir si vous faites bien votre travail de journaliste. Avec Philippe, j'ai aucune inquiétude. Avec Benichoux, c'est autre chose. Mais alors j'ai mieux, j'ai un troisième lascar qui veut se mêler de votre travail. Il s'appelle Balthazar. Bonjour Balthazar. Bonjour Laurent, bonjour Paul. Vous m'avez envoyé un mail, Balthazar, pour me dire, avec tout le respect que je dois à Paul Vermus, à sa carrière qui force l'admiration, à son inimitable façon de baratiner, à son extraordinaire faculté à écorcher tous les noms et à ses prédictions très aléatoires, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot « challenge ». Or, un challenge, comme vous appelez cette chronique Vermus Challenge, un challenge, c'est quand le tournoi a lieu entre deux personnes. Je me propose donc pour être le challenger de Paul Vermus. C'est-à-dire, Paul, que Balthazar, notre auditeur, il va entendre les challenges que je vais vous lancer et il va essayer de trouver des informations en même temps que vous. Est-ce que vous êtes d'accord, Paul, pour relever ce défi ? Bah, bien sûr que je vais le relever, le défi. Qu'est-ce que vous croyez ? Mais Balthazar, vous n'êtes pas journaliste ? Non, je ne suis pas journaliste, mais voilà, je me suis dit que c'était un petit jeu qui pouvait être amusant. Si je trouve les bonnes réponses, bah voilà, on se sera bien amusés tous ensemble. Et si Paul gagne, bah ça lui permettra de relégitimiser et de retrouver... On avait un abruti, on en a deux. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour mon cher Laurent. Ah merci mon cher Paul. Loïc est au téléphone pour vous adresser un petit reproche. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent. Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie encore Vermus ? La semaine dernière, Paul Vermus a affirmé qu'il était un des premiers à avoir utilisé des fiches avec le logo de l'émission dessus. Sauf que moi je suis allé à l'INA et je suis allé vérifier et pas du tout. L'émission Passez donc me voir avec Philippe Bouvard. Voilà, quand on regarde l'émission, il y a bien des fiches, mais il n'y a aucun logo dessus. C'est un mytho. Non, mais alors attendez, je vous arrête un instant. Faut pas oublier qu'à l'époque, c'était même pas encore la télé en couleur. Mais il n'y avait pas de gros plans sur les fiches. Et que moi, j'étais là pour préparer ces émissions. Donc je sais de quoi je parle. Alors c'est vrai que c'était écrit en petit caractère italique. Hein, j'ai une photo de vous, de Vermus à l'époque dans ces émissions. Passez donc me voir. T'étais à la drogue dure, non?
Pierre ne veut même pas regarder. Oh, je viens de m'endormir. Pierre, d'habitude, je vous laisse vous endormir vers 17h25, 17h30. Ouais, c'est un peu tôt. Avant que l'invité d'honneur arrive. Mais enfin, là, avant 16h, c'est un peu difficile quand même. Mais ça, il est parti fort aussi. Hein. C'est l'époque. C'est Vermos, le petit, avec une labanane. Pas Vermos, Termos et Virmus. Parce que l'autre, c'est Bouvard, en fait. Ah oui, c'est ça. C'était ouais. À l'époque où il était sous Bouvard. Hein. Mon Dieu, quelle carrière. Oh, elle n'est pas pire que la vôtre. Hein. En tout cas, voilà. Ça, c'est une bonne répartie, ça. Il n'y avait pas de logo sur les fiches. Hein. Il peut non. Écoutez, c'est moi qui les faisais, Laurent. Alors, c'était peut-être pas un logo, mais c'était écrit au stylo bille derrière. Bah, Loïc, merci d'avoir dénoncé l'escroquerie Vermus. Sinon, ça se passe bien le chômage, Loïc? Parce que s'il a eu le temps, chômage, je suis étudiant. Non, parce que pour avoir le temps d'aller à l'INA vérifier les dires de Paul Vermus en plein après-midi et y dédier un après-midi. J'y ai pas passé un après-midi, pas du tout. Elle t'a largué il y a combien de temps, ta copine? Non, Loïc avait évidemment un but précis, puisqu'il terminait son mail par virer ce clown. Hein, il parle de vous, Paul. Hein. Ah, merci, oui, merci de préciser. Le début est bien, après. Virer ce clown et engagez-moi. Je suis un jeune journaliste et je sais mener une enquête, moi. Ah, bah voilà, j'avais raison. Bon, je n'ai pas encore mon permis de conduire, mais ce n'est pas grave, je ferai semblant d'aller d'un bout à l'autre de Paris comme Vermus. Bah, je crois que vous faites des bons débuts, Loïc, en tout cas. Merci. Et on vous encourage. Bon, Loïc, passez me voir au bureau. Ah, voilà. Ah, c'est sympa, vous voyez. Non, mais en plus, Vermus, il aide les jeunes. Alors, franchement, je vous conseille d'aller le voir, il peut peut-être vous engager. Eh ben, non, mais sérieux, passez me voir au bureau. Oui, oui. Ouais. Tu peux y aller. Et puis, il n'est pas gay, Vermus. Hein. Oh, non. Oh. Ah, non. Après trois bières. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Des bonjour. Tas d'enquêtes, j'espère que vous y répondrez comme il faut. Des tas de questions qu'on a envie de vous poser. Un peu comme vous l'avez fait si brillamment la semaine dernière sur le salon de l'agriculture, Paul. Non, à ce propos, je ne suis pas content. Pourquoi? Je ne suis pas content du tout, du tout. Dans ma chronique sur le salon de l'agriculture, j'avais une information que la presse a repris 48 heures après. J'avais donc une exclusivité, un scoop. Je disais que Jacques Chirac n'irait pas au salon de l'agriculture pour telle et telle raison. C'est la première fois qu'il n'y allait pas. Et j'ai comme l'impression, quand j'ai réécouté l'émission, que ce passage n'était plus là. Qui était aux manettes? Ah, ça doit être François Renucci. Hein. Ah ben, vous le remerciez de ma part, hein. Voilà, ça c'est du travail journalistique. Hein. Parce qu'on le savait déjà, je pense. On le savait absolument pas. J'étais le premier à vous le dire parce que j'avais vu Chirac la veille à la causerie. On s'en doutait un peu qu'il n'irait pas. On ne s'en doutait pas. Vous devez... J'accuse personnellement... Ah mais il croit vraiment quoi. Il le prend vraiment au sérieux son truc. Comment est-ce que le président Chirac vous a dit qu'il vous a dit... Tiens, je suis heureux de vous voir, je n'irai pas au salon d'agriculture. Je l'ai vu arriver à la closerie avec Bernadette, hein, ouais. et la façon dont il marchait, tout petit pas, me laissait déduire qu'il ne serait pas là. J'ai confirmé ensuite l'information par mes réseaux. Quel journaliste. Et j'ai rien entendu. Voilà, vous n'avez pas à prendre la défense du réalisateur, cher Laurent. J'ai raison pour une fois. C'est vrai, il fallait être devin pour savoir que Jacques Chirac n'est pas en état d'aller à grands pas entre le stand au salon de l'agriculture. En même temps, il ne serait pas allé à pied de la closerie à la porte de Versailles. Et tu te rappelles, il y a trois semaines, quand tu as dit que ça allait de la crise en France. Ouais, alors... Quel scoop. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, j'ai des enquêtes pour vous, mais alors là, c'est du béton, attention. Ouais. Hein. Bonjour, vous allez bien, Polo? Bonjour, ça bonjour. Va alors, sauf que vous faites encore, vous commettez, mon cher Paul, des erreurs à chaque fois que vous intervenez à l'antenne, c'est ça le problème. Ça mais si, vrai, mais si. Gauthier me dit, je tiens à rectifier monsieur Vermus pour son intervention concernant Alexis Palisson, le rugbyman qui accompagnait Isabelle Mergault à Cannes. Monsieur Vermus a dit qu'il était trois fois champion de France de rugby, ce qui est absolument faux. Il a joué à Brive, puis à Toulon, et ses clubs n'ont pas gagné depuis longtemps un championnat de France. Voilà. Bon, écoutez, ça, j'avoue mon erreur, j'avoue. Je voulais voir si j'étais écouté en vérité. Et là, je suis content parce que je me rends compte. Il est bon là. Ouais. Voilà, je suis content. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous connaissez Anne-Solène Hatt, vous?
Je crois la voir sur iTélé, me semble-t-il. Une jolie fille, hein. Ah oui, ah, oui. Avec un grain de beauté. Pourquoi vous posez cette question? Ah, bah, vous devez... chez vous, là? Non, vous... Ah oui, elle est chez... Enfin, chez moi, pas chez moi, hélas. Ah, j'aimerais bien qu'elle soit chez moi. Oh. Attends. Elle va nous le changer, notre... Ah, mais là, mais quand elle veut, alors. Ah, notre qui, elle va nous le changer. Ah, mais je vous jure, non, mais écoutez, franchement, là, il n'y a pas de quoi aller voir des mecs, hein. Bon, Paul, alors, autant vous dire que j'ai des mails, mais terrible, en ce qui vous concerne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Paul. Comment voulez-vous que je sois au courant? Bravo à Paul Vermus. Bravo à Paul Vermus. Dit Pablo Picassiette ou Jacques P4, pour avoir annoncé la venue de Philippe de Broca aux obsèques d'Annie Girardot, vu que ce réalisateur est mort depuis 6 ans. Je vais confondre avec Molinaro, peut-être. Alors, évidemment, j'ai des dizaines de mails, hein, j'en prends que quelques-uns. Lors de son intervention sur les obsèques d'Annie Girardot, Paul Vermus a cité les personnalités qui assisteraient à la cérémonie à l'église Saint-Roch. Claude Lelouch, très bien. Mais il a surtout cité Philippe de Broca, décédé en 2004 et inhumé à Belle-Île. Bah, écoutez, c'était l'occasion de parler de lui, du rendre hommage. Frédéric Mitterrand est contredit. Voilà. Mais vous avez entièrement raison. Voilà. C'est ce que entièrement raison. Il est sourd, il est sourd, il est sourd, Vermus. Il est sourd. Allô? 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 On a été coupé. Allô, Paul? Mais nous, je comprends pas que vous soyez comme ça, capable de nous raconter tout ça, tout en étant en même temps à la conférence de presse de Nicolas Hulot. Vous êtes où, là, Paul? Là, c'est pas difficile. Je suis 5 avenue Gabriel Péri, dans la salle des fêtes à Sevran. C'est pas vrai. Vous êtes tout seul. Racontez. Je peux pas vous raconter grand chose maintenant, parce que la conférence, enfin l'annonce, la déclaration officielle de Nicolas Hulot a duré en tout et pour tout 13 minutes 30 secondes et qu'il n'y avait pas de questions-réponses, donc il est parti aussi vite. Ah, c'est pas vrai. Tu l'as raté, alors. Bon. Tu l'as raté. Et tu peux nous passer quelqu'un à côté de toi? Non, tout le monde est parti. Il y avait la salle des fêtes. Attends, à 18h, c'est normal. Non, la salle des fêtes affichait complet. Bon, alors, je vais vous dire deux, trois choses pour vous montrer ma bonne foi. T'as pas pu rentrer dans la salle des fêtes, alors? Et il est encore là-bas? Oui, je suis là, à côté de la salle des fêtes. T'as pu rentrer que quand tout le monde était parti? Non, je suis arrivé, mais non, mais maintenant, ils sont tous partis. Est-ce qu'il y avait un écran dehors? Non, il n'y avait pas d'écran dehors. Je peux vous dire deux choses quand même. Nicolas Hulot, il a parlé derrière un fond vert. Ah, il avait des jeans verts et il est habillé d'une veste bleue avec des chaussures signées Commerce Équitable. Enfin, ça c'est pas compliqué. Il est toujours habillé pareil, Nicolas Hulot. Et puis on va voir tout ça en 20h ce soir. Oui, c'est pas un scoop. Pour vous prouver ma bonne foi, je vous signale que dans la salle des fêtes, ce qu'on ne verra pas à la télé, il y avait un vin on peut voir des affiches sur les murs à la gloire du prochain spectacle de Fabrice Eboué. Ah bon, voilà. Faites entrer Fabrice Eboué, il y en a partout. Ah oui, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une banderole à l'extérieur, 2012-hulot.fr, et je peux vous dire qu'il était accompagné de sa garde rapprochée. Vous les connaissez, Yves Cochet, Denis Baupin, Gérard Felzer. Voilà, bon, maintenant il faut que je parte parce que j'en ai eu pour 39 minutes en RER. Hein. Fais une photo de toi devant le local quand même. Oui, oui. Bah, et tu nous l'envoies. Qu'on puisse la publier dans Arnaque Magazine le mois prochain. Et t'en fais une deuxième quand tu es dans le RER. Ce sera l'image insolite du jour dans France Soir. Vermus dans le RER. Ok, Paul. Ça sent bien ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? La sonnerie qu'on vient d'entendre, elle vous rappelle une sonnerie qu'on entend d'habitude dans votre bureau, Paul. Vous êtes bureau. Quel escroc. Paul, quel voyou. Eh, Paul, par contre, la photo de toi en pyjama chez toi, on l'a déjà. Hein. Oui, je sais. Bon. Paul, est-ce qu'on peut dire à Ariel Dombal d'aller faire caca chez vous? Il peut venir faire caca chez vous. Au secours. Au secours. Dites-moi. Allez, on vous embrasse. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Je suis fan de Paul Vermus, me dit Hassan du Maroc. Oh, mais à chaque fois que vous lui confiez une enquête, il commence sa phrase par « Cette affaire est assez compliquée ». On sait tous que ce sont des affaires compliquées, sinon on les donnerait à Stevie ou à Elsa Fayer, me dit Hassan. C'est le troisième mail que je vous envoie pour vous dire que je suis fan de Paul Vermus. Aucun de mes messages n'ont été transmis. Il est vrai que si j'étais fan de Benichou, Michalak ou Titoff, vous seriez empressé de lire le mail en direct. Je trouve que Paul se démène comme Paul le Poulpe pour être à la hauteur des challenges que vous lui soumettez.
été. Il sent pareil. Et ma foi, il s'en sort. Et ma foi, il s'en sort très bien. Je voudrais faire en direct mon coming out. Oui, je suis fan de Paul Vermus. Voilà, c'est dit maintenant. Il faut trouver des mots pour l'annoncer à mes parents. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même. Hein. Ah d'accord, ah, c'est le même mec, d'accord. Il a un fan qui a de l'humour, bon, c'est bien. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Hello Paul. Salut Laurent, salut à tous. Vous pourriez, peut-être Paul Vermus, je suis sûr que vous l'avez connu, nous parler de Rissé Barrier. Bah, c'est pareil. Alors là, quand il n'est pas prévenu, c'est pas improvisation, Laurent. Si même Vermus le connaît pas. C'est celui qui a gagné la Star Academy, vous savez. Non, non, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique. Il avait un côté très scout. Voilà. Quand vous aviez besoin de lui, à tout moment, il répondait présent. Et pourquoi t'avais besoin de lui? Avec la princesse de Comnen et Rissé Barrier, ce sont mes premières interviews. Ah, vous voyez. Ah ouais. Il est vieux. Donc on comprend, bah, il est mort surtout. Alors bon, vous me demandiez qui c'était, bah, c'était quelqu'un d'assez simple, c'était quelqu'un qui n'était pas sans point commun avec Vassilius, c'est vrai, on l'a souvent dit. C'était quelqu'un, vous l'appeliez, il était chez vous tout de suite. Ah oui. En gros, vous êtes en train de dire qu'il n'avait rien d'autre à foutre. Ouais. Dès qu'on l'appelait pour l'interview. L'un dans l'autre, il adorait la promo parce qu'il était quand même un peu perdu. Pas blacklisté, mais enfin bon, il a eu, avec la servante, il a eu un moment de gloire, et puis après, c'est parti. On en connaît d'autres. Hein. Sofitel. Enfin, moi, je vais vous dire une chose. Il a quand même vécu avec 3 chansons. Il a vécu sur ses droits d'auteur pendant 50 ans de sa vie. Et il est venu chez vous, alors, vous dites? Il est venu chez moi, bien sûr. Mais il avait envie de faire caca chez Paul. Non, voilà. Ça, c'est un bel hommage. Rissé Barrier, c'est une autre époque. On est dans la tradition. Ah ouais. Il est venu quand il était scout. Non, mais les toilettes étaient au fond du jardin, c'est pour ça. Mais Paul, soyez raisonnable. Rissé Barrier, c'est une toute autre époque. On est dans l'après Brassens, dans la. Bon, il avait un petit côté un peu moderne, hein. Oui, il a 70 ans. On essaie de le trouver depuis hier, ce petit côté-là, mais dès qu'on le trouve, on vous passera la chanson qu'il faut entendre. Vous nous conseillez laquelle, vous qui avez l'air de bien le connaître, Paul? Moi, personnellement, je ne vais pas m'engager sur un sujet aussi grave. Hein. Ça, on ne connaît pas les chansons. Dites-moi, c'est la première question. Elle faisait quoi, Isabelle Mergault, Énergie Music Awards? Je suis fâché avec elle, j'ai pas envie de parler d'elle. Comment ça, vous êtes fâché avec elle? À chaque fois que je la vois, elle me boude, elle m'insulte. Non, moi, j'ai pas envie. Hein. Vous n'avez qu'à demander à quelqu'un d'autre. Bah, voilà autre chose, alors. Mais il est sincère. En fait, t'es journaliste, tu dois enquêter, c'est pas parce que t'es fâché avec elle. Elle est de mauvaise foi, Isabelle. À chaque fois, elle m'agresse comme si je lui avais fait du mal, tout simplement parce que je lui ai dit un jour, à une époque où elle était moins connue, qu'elle était venue sur mon plateau de télé, qu'elle était bien contente. Elle m'a reproché de l'avoir dit et elle m'a dit que c'est faux. C'est pas faux, j'ai retrouvé les bandes. Il a une autre histoire. Et au fait, ça s'est arrangé avec l'agent. J'espère qu'on va pas avoir une guerre à cause de ça. C'est moi, c'est pour essayer de plaire à Perry Cochin que je dis des bêtises comme ça. Elle me rend fou. Si elle faisait bien la bouffe, je la ferais divorcer, je te jure. Mais ça y est, elle a divorcé. Enfin. Oui, enfin, il ne faut plus qu'à apprendre à faire la bouffe. Vermus, vous êtes toujours là? Ouais, je suis là. D'ailleurs, j'ai croisé Guillaume Cochin, son ancien mari. J'ai croisé au Flore, il m'a invité au mariage. C'est élégant, ça. Oh, la classe. Ça fait plaisir, ouais. Paul. Quel mariage. C'est la classe. Il est pas lourd, Vermus. Ouais, et rajoute, et sa nouvelle gonzesse est canon. Histoire d'aller au bout, tu vois. Ah bon, non, mais quoi, enfin, Vermus, vous êtes con, quoi. C'est pas un scoop, ça. Non. Qu'est-ce que c'est que ce plouc? Je suis un ami de Perry, hein. J'ai le droit de bouder. Tu étais un ami de Perry, d'après moi. C'est terminé, Paul. Mais non, tu es un ami, Paul. Mais enfin, Paul, faites attention à ce que vous dites. On n'est pas là pour étaler la vie privée de tout le monde, quand même. Oui, je suis obligé de vous donner raison. On passe au Puy du Fou, Paul. Ouais, bah on passe au Puy du Fou si vous le souhaitez. Hein. Alors, on passe de Berlin au Puy du Fou. Ce que je peux vous dire, c'est un Oscar, donc qui est décerné chaque année au Disneyland Hotel de Los Angeles. C'est l'organisation internationale qui rassemble tous les patrons des parcs d'attractions, donc ils sont 700, Laurent. Hein. Alors on vous envoie des inspecteurs, c'est un peu comme au Michelin, hein, Laurent. On vous envoie. Qui a gagné l'année dernière, par exemple? L'année dernière, c'est le. Écoutez, le Cedar Point. Dans l'Ohio. Dans l'Ohio. Dans l'Ohio, il y a 75 attractions, mais ce parc est célèbre pour ses montagnes russes. D'accord. Dans le yo-yo. Mais tu comprends ce que tu lis ou pas? Sois gentil, au lieu de me faire des remarques très obligeantes. Et l'année d'avant, le Snowball Amusement Resort.
C'est où ça? Pennsylvanie. Réputé pour ses maisons hantées. Il y a le parc Universal Studios Osaka, il y a les Star Tours de Walt Disney à Orlando. Alors bon, ce qui est intéressant, Laurent, c'est que c'est la première fois qu'il y a un parc d'attractions. Mais vous oubliez une chose. Français. Il comprend même pas ce qu'il dit. Elle arrête de me... Ça va mal aller, hein. Non, ça va mal se passer. Dis-moi. Oui. Ris pendant que t'as encore des dents, parce que je vais te dire un truc. Oui. La prochaine fois que t'attaques ma collaboratrice, mon ami, mon alter ego, ma voisine, crois-moi que ça va chauffer pour ta gueule. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Ça veut dire ça. On est copains, d'accord, mais c'est pas une raison pour s'insulter les uns les autres, espèce de salopard. Sur un autre ton, Bénichou, hein. Parce que moi aussi, je peux passer 26 bis que François 1er vous attend à la sortie. Tel que tu me vois, j'ai pas un poil de sec tellement je pense. Je veux pas savoir. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Vous êtes toujours là, Paul. Bonjour, Laurent. Bonjour, avez-vous passé un bon week-end de Pâques? Ça s'est bien passé, 3 jours tranquilles. Bon, c'est bien, on fait une cure de chocolat et de riz de veau. Les fameux riz de veau de Pâques. C'est bon. Les riz de veau dans les œufs. C'est bien ça. C'est bon. Jean-Pierre. Les meilleurs mets du monde. Les riz de veau, c'est le plat, le riz de veau. Oui, les abats, c'est délicieux, bien sûr. Délicieux. Riz d'agneau, c'est bon. Moi, riz d'agneau, c'est excellent, mais on en trouve moins facilement chez les bouchers tripiers que le riz de veau. Il y a de moins en moins de tripiers. C'est un métier en voie de disparition. C'est désespérant. Vous savez que pour avoir un bon, on en parlait avec Fabrice Eboué. On savait pas où poser notre appareil photo l'autre jour. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. Pour avoir un bon riz de veau, il faut un bon veau heureux. Non, écoutez, est-ce qu'on peut un instant parler sérieusement à Paul Vermus? C'était pas sérieux, le riz de veau. Polo, vous avez encore dit des conneries la semaine dernière. Ben oui, à propos de Nicolas Sarkozy, à propos du président de la République. Vous nous avez dit, et c'est ce que nous ont fait remarquer plusieurs auditeurs, que Nicolas Sarkozy avait fait 17 km en 28 minutes et en montée. Alors là, Nicolas, un auditeur nous dit, il faut qu'il fasse le Tour de France, le président, parce que ça fait quand même une moyenne de 37 km/h. C'est beaucoup en montée. C'est énorme. En montée, oui, c'est énorme. Les dopés du Tour de France tournent à 50 km/h de moyenne. Pas en montée. Bon, et pas en montée. Moi, j'ai fait un petit calcul, je pense pas m'être trompé. Oh, bah, il insiste. Peut-être que le 37 km/h, il l'a fait sur, non pas sur les 17 km, mais sur 2 ou 3 km. Mais sachez qu'en descente, on atteint les 85 km. Oui, en descente, ça, oui. Forcément, ça monte moins en descente. Quoi, là. Et avec un moteur aussi, ça va plus vite. L'heure de votre émission du lundi 18 avril, me dit Valérie, là, c'est une auditrice, Paul. Monsieur Vermus a parlé des exploits sportifs du président. En résumé, il a indiqué que le président avait parcouru en vélo et en montée 17 km en 27 minutes. Il avait ajouté que sur du plat, cela équivalait à une distance 3 fois supérieure. Faisons des maths. 17 km multiplié par 3 égale 51 km ou 51 000 mètres. 27 minutes en seconde égale 1620 secondes, soit une vitesse de 51 000 divisé par 1620, 31,480 mètres secondes, c'est-à-dire 113 km heure, Paul. Non, c'est un faux calcul. C'est les chiffres de l'UMP, quoi. Ça. Tout simplement. Chiffre officiel. Non, ce que je voulais dire par là, que quand on fait 17 km en montée, c'est comme si on faisait 3 fois la longueur sur du plat. Eh oui, vous savez tout, bien sûr. Je les ai même aperçus, les Beckham, figurez-vous. Où ça? Ah ben, bah, écoutez, je vous le dirai tout à l'heure. Mais ils étaient à Londres. Tant de mystères. Ils étaient à Londres. Vous étiez à Londres? Mais j'étais pas à Londres, je suis navré, mais hier, près de chez moi, je les ai aperçus. Je les ai vus de visu. Toi, personnellement? Moi, personnellement. S'ils avaient été à Paris, on les aurait vus au Parc des Princes hier soir pendant le match, enfin voyons. Et alors, Laurent, il y avait d'autres choses probablement plus importantes à faire. En tous les cas, vous me demandez... Que le match? Pour un futur joueur du Paris Saint-Germain, c'est embêtant. Écoutez, c'est un match moyen. Il le savait que ce serait un match moyen. Il faisait un temps épouvantable, il faisait froid, il faut qu'il se préserve. Ils sont venus chez toi, quoi, boire l'apéro. Oui, puis alors, comme ils n'ont pas grand-chose à se mettre sur le dos. Tu leur as sorti les crackers de l'air. La première chose que font les Beckham en venant à Paris, ils vont prendre l'apéro chez Vermus. Mais non, ils sont allés aux toilettes, ils n'ont pas encore d'appartement, ils sont passés chez Paul. Il va faire cacacher. Mais non, Laurent, je n'ai pas dit qu'ils sont venus prendre la grosse crotte. Laurent, qu'est-ce que vous avez dit? Surtout Victoria. Elle ne doit pas faire des grosses crottes. Pourquoi? Victoria.
mange rien. Vu qu'elle est haricot vert, elle se transforme. Elle mange que des crudités, je suis comme les lapins. Une fraise d'agada par jour et hop. Bah Paul, dites-nous alors. Non, Laurent, ils sont pas... ils sont pas venus prendre l'apéro chez moi. D'abord, l'ascenseur est en panne. Ah oui, oh, genre c'est la seule raison. Tu oui, sais. C'est vrai qu'il est... Si le mec, vraiment, est pas capable de monter 3 étages, ça va être dur sur le terrain du parc quand même. Mais on comprend mieux pourquoi il rentre au PSG. Autre info, alors là c'est dans le Figaro ce matin, c'est dans le Parisien aussi. Si je vous donne l'adresse du 18 rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement, eh bien c'est l'adresse d'une station-service, ou plutôt d'un garage, où ça y est, le prix de l'essence a franchi la barre des 2 euros. Ça c'est quand même assez incroyable. 2,02 c'est ça ? 2,02, voilà. Il n'y a que dans le Super 95. Oui, c'est seule cette station à Paris a franchi la barre. Alors pourquoi ? Moi j'aimerais que vous les appeliez, Paul. Pourquoi eux, ils ont franchi la barre des 2 euros le litre. Très bien. Pourquoi, oui ? Bah, pour augmenter les marges et s'en mettre plein les poches, peut-être, non ? Bah, non, mais quand même, c'est quoi ce garage ? On va y aller. Je vois pas où c'est la rue Saint-Antoine à Paris. Oh. C'est dans le 4e, c'est pas de place de la Bastille, vers Rivoli. C'est le début de la rue de Rivoli, en fait. La rue Saint-Antoine devient la rue de Rivoli. Vous allez aller à l'essence, enfin à la station directement, Paul ? Je sais pas si je vais avoir le temps de mon bureau, mais enfin, on va essayer de les retrouver, on va essayer de savoir pourquoi. Bon, parce que le 18 rue Saint-Antoine, c'est pas la porte à côté. Moi, je suis du côté de la porte de Versailles. Dis donc, un reporter qui peut même pas traverser Paris. Oui, surtout, et franchement, le téléphone vient d'être inventé. Il y a des journalistes qui sont morts en Syrie, qui se sont fait tirer dessus. Oui, mais je vais pas traverser Paris. En plus, je crois que c'est le centre géographique de Paris, pratiquement. Je veux dire, comment veux-tu être plus près de tout que de la Bastille ? Hein, du con, hein ? espèce de pauvre feignasse. Avec ton physique, il faut... Au lieu de me parler comme ça... Quand on a ton physique, il faut être actif. Écoute, en tous les cas, mon physique, il fonctionne encore. Moi, je perds pas mes cheveux, moi. La guerre des vieux. Ça va haut, hein ? Vous perdez pas vos cheveux, mais vous prenez les cachets là qui empêchent de bander. Il y a des cachets qui empêchent de bander. Popol Vermus. Ils viennent parler du grand bras. Écoutez-moi un instant. Oui. Moi, quand j'essaie de chanter, eh bien, je ne chante pas parce que je chante faux. Alors que Benichou chante comme une casserole. Oh, il est jaloux. De l'entendre chanter. Alors il est jaloux. Hein. Il est jaloux, Pierre. Oula. Il est jaloux de toi quand tu chantes. Mais aujourd'hui, c'est l'insulte alors. Aujourd'hui, tout le monde. C'est l'insulte. Ah non, mais c'est incroyable. Mais qui est ce type-là qui parle là ? Qui a mis ça là puis qui a pas balayé ? Écoutez, quand vous aurez fait la moitié du quart de ma carrière, on en reparlera. Le pauvre, là, il est trop mignon. Mais oui, bien sûr, ma petite poulette. Allez, continue. De l'émission de Ruquier, qu'est-ce que vous faites ? 0 divisé par 1, par 2 divisé par 4, ça fait toujours 0. Hein. Ouais, bah dis donc, il y a de l'action. Polo, j'ai encore une enquête pour vous. Hein. Encore, je sais pas, vous m'avez tous énervé là. C'est bizarre. Ta gueule, sous Bouvard. Qui a dit ça ? Bah, c'est Pierre. Pas moi. C'est Pierre. Bon, bah, il a pas tort. Joli. Alors moi j'ai eu le droit à un canular hier, celui de Monique Pantel, elle m'en fait un tous les ans. Ah bon ? Même le dimanche, alors j'ai marché 3 secondes, hein. Je sais pas si ça va marcher, est-ce qu'on va l'entendre si je mets le haut-parleur ? Je vais sûrement pas rester, parce que j'ai eu une proposition, un monsieur du Canada, un vieux monsieur, mais très sérieux, il m'a proposé pour ça, il m'a dit faut pas continuer à rester dans la même radio, alors vous êtes très bonne, mais au Canada, quelqu'un comme vous, ce serait vraiment bien avec votre accent et tout, alors donc il me propose d'aller au Canada, ça m'embête un peu parce que c'est loin le Canada, puis il fait pas très chaud, mais bon, si tu peux me dire ce que tu en penses, voilà, et ben je te remercie d'avance et je t'embrasse très fort, au revoir. C'est le même canular qu'elle m'avait fait l'année dernière. Mais oui, elle a déjà fait ça l'année dernière. De le faire. Ah oui, oui. Alors, parmi les canulars, tiens. C'est énorme. Ah bah, dites-le aux 2 minutes, vous. Il est jaloux parce que d'un seul coup, il y a Monique Pantel. Ah, c'est la guerre, c'est des gens au téléphone. Ouais. Vous savez la relation que j'ai avec Monique Pantel. Alors. Mais vous avez eu un fils qui s'appelle Serge Liado. Alors, moi, j'ai vu des choses tout à fait étonnantes, Laurent. Vous voulez peut-être me dire quelque chose, là, non ? Je crois qu'on va abandonner les 1er avril. Vous êtes nul. Non, je suis pas nul. Mais t'es pas bourré, t'es drogué en fait. Paul, on va passer à une autre enquête. Il a bu son verre comme les autres. Là, moi, c'est précis, c'est clair, c'est net. Oui, allô. Bon, alors vous voulez dire un truc à Paul Vermus, c'est ça?
Oui, rapidement, il a fait une erreur la dernière fois, comme souvent. Oh, il arrête pas. Attendez, alors, vous faites quoi? Vous allez lui dire en direct. Ah oui, c'est bon ça. Ah, génial. Ce sera mieux. Europe 1, une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à la fine équipe. On a un auditeur, là, vous avez vu, qui veut vous parler, il s'appelle Geoffrey. Qu'est-ce qu'il a? Il veut rouge péter? Oui, oui. Alors j'écoute. Oui, la dernière fois, vous aviez dit que... Bonjour, Geoffrey. Bonjour, oui. Bonjour. Ouais, t'as raison de le mettre au pas, Paul. Il essaie de gagner du temps. Donc je disais tout à l'heure qu'en fait, la dernière fois, vous aviez dit que le groupe U2 avait annulé leur date au Japon, alors ils ont jamais du tout prévu de date au Japon. Donc je sais pas comment ils auraient pu annuler une date qui n'existe pas. Vous êtes gentil de me donner de telles informations, mais qu'est-ce que vous avez comme preuve? J'ai des preuves. Moi aussi j'ai des preuves, si vous voulez. Moi, je vous propose de nous confronter au Champ de Mars, votre race sera la mienne. Hein. Non, tu sais, pour un concert du tout, ça me paraît excessif. Si c'est la parole de l'auditeur contre la vôtre, vous êtes mal barré. Merci Pierre. Puis je pense qu'il doit s'y connaître en YouTube. J'imagine que vous êtes fan de YouTube. Je m'occupe du grand site sur YouTube, YouTube Hartung, sur Internet. Bon. Et on est assez au courant des dates. Alors voilà, Paul. Donc, ouais. D'un autre côté, je vous ai donné une vingtaine de noms de tournées annulées. Il y a une erreur. J'ai le droit à l'erreur. Hein. Oui, mais il n'y a pas que ça, hein, Paul. Les autres groupes, je m'en fous. En fait, merci Geoffrey, en tout cas, pour cette précision. Mais là, vous les avez cumulés la semaine dernière, Paul. Il y a Alexandre qui me dit, pouvez-vous dire à Vermus, qui a annoncé Besancenot comme candidat de la LCR en 2012, parti s'appelle NPA depuis février 2009. Oui, ça, c'est pas très grave. Hein. Franchement, c'est pas la peine de faire un caca nerveux pour ça. Hein. Non, mais c'est pas un caca nerveux, c'est une insulte à la classe ouvrière. Ben non, il n'est pas question d'insulter la classe ouvrière. Je la respecte. Pour moi, c'est la véritable aristocratie. Alors, vous voyez. Une petite remarque aussi. Là, t'en fais trop. Ouais, n'exagérons rien non plus. Là, tu dégages un peu trop quand même. Là. Une petite remarque sur l'intervention de Paul Vermus. Jeudi, je le cite, me dit Johan, Borloo ne fera pas de déclaration fracassante ce soir sur France 2. Qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration fracassante? Je vous avais dit, Laurent, qu'il ferait une non-déclaration. Il quitte l'UMP, il va être candidat à la présidence de la République. S'il l'a dit. Il n'a jamais dit que je serais candidat à la présidence. Jamais. Non, mais enfin, je veux dire que je quitte l'UMP, ça a quand même fait un petit tsunami dans le. Je savais que ça ferait un petit clash, mais il n'a jamais dit qu'il serait candidat parce qu'il n'est pas candidat. Il a dit si mes copains et moi, on estime qu'il faut y aller et si ça doit être moi, bon, je réfléchirai, mais j'irai. En gros, il a dit ça. Vous pouvez vous rattraper, Paul, avec les trois enquêtes que je vais vous confier maintenant. Merci. Europe 1, une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul, quel bonheur de vous retrouver. Et c'est réciproque, bonjour à tous. Et vous alors, votre été, comment il s'est passé? Il s'est passé très bien, j'ai passé une partie de mes vacances avec Fabrice Eboué. C'est pas vrai, racontez. Oui, figurez-vous qu'il s'ennuyait, il m'envoie un SMS, il était à Saint-Barth, j'étais à Saint-Martin. Moi, je lui dis, écoute, si tu t'ennuies à ce point, je te retrouve. J'ai donc pris un bateau et j'ai retrouvé à Saint-Barthélemy. Ah ben oui, mais alors, c'est pour ça que je comprends mieux son texto. Parce que moi aussi, il m'a envoyé un SMS, Fabrice Eboué. Enfin, pour dire la vérité, il a répondu au mien. Parce que quand je l'ai découvert dans Voici avec sa compagne sur la plage, je lui ai dit, ah tiens, voilà, ça y est, maintenant que le succès est là, Voici s'intéresse à toi. Et on le voit effectivement en train de nager avec sa jolie compagne dans l'eau. Et là, il m'a répondu oui. Et comme par hasard, j'avais eu Vermus au téléphone la veille. Donc il pense que c'est vous qui avez tuyauté Voici. Ah non, jamais j'aurais fait ça. Ah bah je vous jure qu'il pense ça, Fabrice. En plus, Fabrice est désormais mon nouveau meilleur ami. Parce qu'il a du succès. Quand tu vas à Saint-Barth en vacances, il n'y a pas besoin d'être balancé par Vermus pour être en photo. Ah non, mais ça ils dépend, sont hein. tous à Saint-Barth. Non mais ton nouveau meilleur ami, je crois que c'est moi quand même. Ah oui, je me balade tranquillement pour aller acheter un billet de loto. Et j'entends Paul, qui je rencontre à la rotonde avec sa sœur, Bénichou. Avec sa sœur. Ah, oui. Elle est comment? Monsieur Bénichou, c'est Madame Sasson. Alors, il s'est arrêté à notre table. Ouais. Il a été charmant, il était élégant, il était frais. Il était ma femme, ma sœur m'a dit vraiment qu'est-ce qu'il est bien. Ma femme, ma sœur, oula. Voilà. Non, ma sœur m'a dit qu'est-ce qu'il est bien, c'est ton coiffeur depuis longtemps. Non, mais je te jure.
Un sujet plus difficile, mon cher Paul, c'est Marine Le Pen à Vienne. On nous dit dans la presse qu'elle a participé à un bal où les jeunes autrichiens présents sont plutôt néo-nazis que d'extrême. Enfin, l'extrême droite, l'un ne va pas forcément avec l'autre, mais là, pour le coup, ce serait le cas. Alors, d'abord, si c'est le cas, pourquoi elle prend le risque d'aller dans ce genre de bal, ou est-ce que c'est à nouveau, on va dire, les journaux de gauche qui en font un peu trop et que c'est juste l'extrême droite autrichienne? Rien de plus. Paul, on veut tout savoir sur ce bal viennois. Oui, très bien. Alors, vous avez la trouille, là, Paul Audin. Là, c'est pas évident, mais ouais, j'ai la trouille. Moi aussi, je sais faire preuve de courage quand il le faut pour vous, Laurent. Mais ça s'arrête à Isabelle Mergo. Ouais, c'est ça, il a plus peur d'Isabelle Mergo que de Marine Le Pen, hein, apparemment. C'est quand même incroyable, ça. Tout est dit. Et dites, Vanessa Paradis, vous étiez plantée, hein, elle a démenti la rumeur avec Johnny Depp. Attendez, elle a pas démenti, Laurent. Elle a démenti, carrément. Elle n'a pas démenti, d'une part, et par exemple, quand vous m'avez demandé est-ce que Sarkozy a écrit un livre, qu'est-ce qu'il a dit hier à l'antenne, hein? Il a dit, je n'ai pas le temps d'écrire un livre, c'est pas dans un, hein? Ben, j'avais raison. Oui, enfin, ça a aucun rapport avec Johnny Depp et Vanessa Paradis. Aucun rapport, mais c'est bien que je vous le rappelle, hein? Oui, oui, elle noie le poisson, oui. Non, ben, oui, quant à Vanessa, elle n'a jamais dit tout est fait. Elle n'a pas répondu, Laurent. Elle a dit non. Elle a dit c'est des rumeurs. J'ai vu, elle était sur un plateau télé. De toute façon, avec le temps, je finirai par avoir raison. Hein. Dans 20 ans. C'est comme quand on annonce la mort de quelqu'un, on finit par pas se tromper. Hein. C'est pas faux, Paul. C'est pas faux. Je ne peux pas venir. Elle m'organise un anniversaire surprise. Elle m'organise un anniversaire surprise. C'est terrible. Comme la dernière fois. Ils emmerdent ou quoi? Qu'est-ce que vous faites, Vermeer? À qui vous parlez, Paul? Il fait une double piche sur RTL. Ouais. Je lui dis, fais pas la gaffe d'hier, voilà la vérité. C'est quoi qu'est-ce la gaffe d'hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Mais rien, pendant mon émission en direct, il y a eu des images qui n'avaient rien à voir, un son qui n'avait rien à voir avec l'émission. C'est-à-dire? Et ça m'a, voilà, ça m'avait légèrement contrarié. Mais j'ai vu comment vous lui parlez, le ton sur lequel vous parlez à votre réalisateur. Mais non, il s'appelle Yvan, il est. Ah ben non, vous lui avez dit, tu fais pas la gaffe d'hier, c'est pas possible ça en direct. J'ai entendu ce que je lui ai dit. Ah ben, moi je parle pas comme ça à Renucci. Quand je lui demande de passer à travers la vitre, je lui dis aimablement, je cite Marcel Aimé. Tu mets les formes, quoi. Tu mets les formes. Bah oui. Mais Paul, tu es où? Mais moi je suis à mon bureau à France 3. Hein. Oh là là, moi chaque fois je l'imagine en chemise de nuit, c'est bizarre. Hein. Est-ce vrai que François Hollande et Eva Joly ne se connaissent pas, qu'ils ne se sont pas vus depuis le 14 juillet dernier, comme le raconte le Parisien ce matin? Alors du coup, qui négocie entre les Verts et François Hollande? Moi je pensais que ça se passait entre les deux chefs, quoi. Entre... Ah, là c'est intelligent, Laurent. Ça c'est une bonne question. Et oui. Là vous me faites plaisir, au lieu de me parler des figurines de Tintin à 625 euros. Ne méprisez pas le petit peuple. Je ne comprends rien, je ne veux même pas répondre à cette question. Elle n'est pas digne de mon talent. Ah si, 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 vous allez appeler Carrefour Market, croyez-moi. Moi. Et Ramayad, accusé de plagiat par Jean-Michel Muglioni, qui dans son livre a des phrases qui ont été empruntées par Ramayad pour son propre livre, elle, plaidoyer pour une instruction publique chez Grasset. Lui, il demande le retrait de la vente. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que le livre de Ramayad ne va pas paraître? Y a-t-il réellement plagiat ou simplement négligence de la part de Madame Yad? Là aussi, je suis obligé de vous dire que c'est une bonne enquête, ça. C'est du journalisme, c'est sérieux. Tu te souviens, bon bah ça suffira pour aujourd'hui, Polo, d'accord? Oui, d'accord. Je vais aller à la mairie de Paris, tiens, justement, tiens. Pourquoi faire? Tiens. Bah parce que j'aime bien Brigitte Fontaine. Tiens. Mais je vous ai pas posé, il est con. Je décide de pas poser la question. Oui, mais il avait déjà la réponse. Je me prenais pas la tête aujourd'hui. Je dis, c'est très compliqué pour moi. Je décide de m'arrêter à trois questions. C'est vrai que j'avais prévu une quatrième question. Sur Brigitte Fontaine. Et il y répond. Et là, il répond à une question que j'ai pas posée. Et en plus de ça... Comme quoi, c'est bidonné. Il sait le challenge d'avant. Et en plus de ça, il divulgue les secrets. À savoir que vous vous causez avant. Quoi. Ça fait 8 jours qu'il a les questions. Oh, j'ai dégoûtant. Non, mais c'était une question. C'était l'occasion, encore une fois, pour moi, de vous mettre en valeur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je trouve ça dégoûtant, ce petit accord entre vous. Bah, oui, parce qu'il fait là, je suis stressé, j'ai une heure pour savoir si ce Jean-Christophe s'appelle Gérard. Ah, c'est le choix. Trois jours avant, il a les questions. Il a les questions 8 jours. Non, moi, 8 jours avant que l'événement se produise. Je dois rétablir l'exacte vérité. Un quart d'heure avant que notre émission démarre, on lui donne les sujets. Et quand tu me refais tous mes textes, toi, hein, le matin. Parce que, Claude, tu sais que nous, on a toutes les questions. Un quart d'heure avant. Bien sûr. C'est que Jérémy Michalak. J'en ai une bien bonne là, vous la voulez ou pas? Allez-y.
courir plus vite possible dans un couloir, puisqu'on parle de course, c'est aussi le sport préféré des femmes de chambre qui croisent les SK. C'est pas mal. Et ça t'a fait tout l'été, ça? Non, bien vendu, elle aurait pu être drôle. Oui, c'est ça. Mais vous savez combien je sais les raconter, là. Fallait pas rire avant, quoi, parce que tu l'as survendu, quoi. Oui, oh, les gars, j'ai une bonne blague. On va se fendre la gueule. Arrête de rire, raconte. Et puis, quoi d'autre, Polo? Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent. Bah, on parlait de toi. Quelques plaintes d'abord, Paul. Ah, ouais, comme d'habitude. Ah, et concernant Mathilde Seigné, vous êtes trompé encore. Hein. Non, je ne me suis pas trompé. Bah, d'abord, on dit pas un tic, mais une tic. Ah. Bon, ça d'accord, je l'admets bien volontiers. Vous avez dit qu'elle avait été piquée par un tic, alors que c'est une tic. Oui. Ensuite, vous n'avez pas su nous dire pourquoi elle avait insisté mais je pouvais pas en parler. Pour que Joey Starr monte sur scène, alors que vous nous avez dit des conneries, alors qu'en fait c'est tout bête, c'est qu'ils viennent de tourner ensemble un film. Ça, c'était quand même pas difficile à trouver, de savoir que Joey Starr et Mathilde Seigné venaient de tourner un film ensemble et que c'est pour ça qu'ils étaient copains. Hein. Écoutez-moi une seconde, je le savais. Ah bon? Mais il y a un secret sur ce tournage. Ça s'appelle Max, le film. Oui, ça s'appelle Max, on est d'accord. C'est produit par Thierry Ardisson, en plus. Oui, donc c'est l'histoire d'une petite fille dont la maman est décédée à la naissance. Je sais l'histoire, un film de Stéphane Murat. Et c'est quoi absolument. Le secret? Et puis, cette petite fille vit avec son père qui vivote de l'arsen, voilà. Et elle a l'idée de faire venir chez elle une femme, et cette femme, c'est Mathilde Seigné. Et il y a Jean-Pierre Marielle dans la distribution. Je sais tout, Laurent, je sais tout. Mais alors, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Je pouvais pas en parler pour des raisons très personnelles, voilà, c'est tout. Bon. Ça. Et puis la troisième enquête, Paul, qui n'est pas tout à fait une enquête, mais je me suis dit que vous étiez peut-être le plus habilité, et vous êtes certainement celui qui, parmi nous sept, nous huit, connaît mieux Paul. Jacques Pessis. Non, Loulou de la Falaise, dont on nous a annoncé la disparition ce week-end. Moi, je ne sais pas vraiment qui c'était, Loulou de la Falaise. J'en parlerai dans le détail tout à l'heure, mais on peut presque la comparer à un personnage comme Jackie Kennedy. Parce qu'elle est décédée très jeune, hein, 63 ans, c'est très jeune quand même. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est très très jeune, Laurent. Et vous l'aviez rencontré, j'imagine, plusieurs fois. Plusieurs fois, bien sûr, oui, quand je voyais Saint-Laurent, bien sûr. Non, pas Kennedy. Non, attendez, quand vous me répondez là, oui, bien sûr, plusieurs fois, ça sent pas la sincérité, Paul. Alors, attendez, je vais vous le dire avec une vraie sincérité. Ouais. Lorsque je travaillais il y a quelques années dans une autre radio, j'avais l'occasion de la voir assez souvent, parce qu'on me demandait d'aller interviewer Saint-Laurent, voilà, et je connaissais très bien Saint-Laurent, donc je connaissais un petit peu Loulou. C'était pas intime, mais je la connaissais. Et c'était déjà très bien de la connaître à mon âge. Hein. Comment Loulou, ça, à votre âge quoi, ça? Ben, je veux dire, quand vous avez 24, 25 ans et que vous rencontrez cette fille qui est un ancien top modèle... Hein, elle était plus jeune que vous à l'époque. Non, elle avait le même âge que moi. Ah bon? Oui, mais c'était déjà une grande dame. Ben, c'est une sacrée famille. Hein, ah, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais alors. Il était impressionné, il veut dire qu'il était impressionné. Je veux dire, c'était que... Imaginez, vous avez 20 balais, vous rencontrez cette fille qui est déjà top modèle, qui fait déjà la une de Vogue. Eh ben, vous êtes impressionné. Vous l'avez kenné. Vous l'avez kenné, c'est ça. Ça, d'une part, si je l'avais fait, je ne vous dirais pas. C'est pas très élégant ce jour de disparition. Ça, c'est vrai. Et d'autre part, pour une fois, je vais l'aider parce que non, je comprends ce qu'il veut dire. Il était impressionné, voilà. Paul, en fait, vous avez des fréquentations chic. Bah oui, c'est ça que j'aime bien dans mon métier. Je n'ai pas que la vulgarité. Il a c'est pas pour que nous que vous dites ça. Non, pour certains autour de vous, pas pour vous, Laurent. Vous imaginez, non. Vous avez formidablement évolué. Moi, qui est vraiment, je suis assez stupéfait. Hein. Bon. Mais les autres, vous voyez. Ça veut dire quoi, ça? T'as qu'à dire que c'est la cour des miracles, Europe 1, merci. Bah oui, le savoir-vivre, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Bon, regardez le temps que Stevie met à apprendre les bonnes manières. Ça fait Je suis certainement mieux élevé que toi, mon cher ami. Alors là, on se fait un petit quiz du savoir-vivre quand tu veux, mon cher. Un quiz du savoir-vivre. Ça, c'est drôle. Allez-y, la ville de Rothschild. Posez-lui une question, Stevie, on va voir. On commence à manger à... Disons, nous sommes une dizaine de personnes. On dit pas manger, fais gaffe. Les plats chauds arrivent à table, nous sommes une dizaine de personnes. Vous commencez à manger à quel moment? Non, d'abord, mon petit Stevie, on dit pas on commence à manger, c'est une faute de français. Il faut dire on passe à table. Hein, si on non, moi je te dis on commence. Tu prends ta fourchette, peux commencer à manger. À quel moment? Ça ne se dit pas, mon petit Stevie. À quel moment tu manges? À quel moment?
Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Ah bah oui, tiens. Question totalement bah, tu peux commencer à manger les plats chauds à partir du moment où la quatrième personne est servie. Ah bon ? Où tu peux être 20, 30, 40, tu as le droit de manger. La politesse veut que tu manges chaud, chaud. Donc que tu manges à la quatrième serviette. Si on n'est que trois, personne bouffe. Ah bah là, on attend. Là, on attend. Ah, mais c'est vrai que tout le monde attend les plats chauds, alors que c'est une erreur, parce que voilà. c'est pas bien pour celle qui s'est cassée la tête à ce que tu voilà. Le meilleur plat, c'est cinquième. Quatrième assiette, c'est cinquième à table. Tu attends ah, je t'ai appris quelque froid. Chose, là, mon petit Paul. Là. Ouais, tu t'es bien fait kenner, t'as bien là. Eu, hein. Ouais, t'es boulé glandé, Polo. Non, écoutez, vous ne me vexerez pas sur ce terrain-là, parce qu'en ce qui concerne l'élégance, le savoir-vivre, les bonnes manières... C'est moi. Non, j'ai été élevé dans une famille bourgeoise, je suis navré, et vous n'avez rien à m'apprendre sur ce terrain-là. On voit le résultat, franchement. Si vous avez besoin de conseils, venez me voir, je prends rendez-vous. Moi aussi, je suis un navré. Et... Mais c'est pas une famille bourgeoise. Ah bon, voilà. Ah ouais. Non, ça n'empêche pas les bonnes manières. Hein. Voilà. Voilà. Les bonnes manières. Je vous ai jamais fait honte à table, Paul. Ah, vous êtes pas. Non, là, je vous mets à part, Laurent. Ah. Vous avez appris les bonnes manières à la vitesse grand V. Ah. C'est inné chez vous. Ah. De famille modeste. Mais vous dis donc, voilà, il a envie de bosser encore. Mais comme si les gens modestes étaient des cochons. Enfin, je rêve. C'est vrai, merci. Non, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau. Mais nous, on va te tirer autre chose. Oh, les menaces. Ça, t'as du courage. Il attaque fort. Non, il est mignon, Paul, je trouve, moi. Il est pas repoussant. Ah, vous le trouvez mignon, Paul? Ah, bah oui, bon, avec un coussin sur la tête quand même. Et vous nous gardez les petits. Non, mais il est élégant, il est fin. T'as envie de le ken alors? Non, peut-être pas ken. T'as envie... Je suis quand même pas dépressif non plus. T'as envie de cracher sur les bonnes manières, toi. Paul, quelle horreur. Vous avez beaucoup de chance de m'avoir autour de vous, finalement. Et alors, dans les bonnes manières, qui Paul, doit vous rendez compte, vous plaisez à Stevie. Et comment on fait dans une partouze? On commence par. Que quand le quatrième est servi. Quand le plat est chaud. Quand le quatrième est bien chaud. On peut commencer. Tu peux sortir les couverts. Paul. Oui, quand t'es à 5, tu quintuples. Je savais pas que vous étiez en couple avec Stevie, moi. Je suis pas en couple avec Stevie, mais je tire mon chapeau aussi à Stevie. Ce garçon a fait de formidables progrès, on n'a plus grand chose à lui apprendre. Voilà un exemple de réussite sociale. Ah oui. Et je le pense comme je le dis, Et maintenant, on va se dire au revoir parce que j'ai les enquêtes à faire. Très bien, Paul. Et surtout, il est 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Comment vous allez? Salut Paul, pas mal, ça va? Pas mal. T'as passé une bonne semaine? Ouais. Une bonne semaine, on en est au milieu de la semaine. Mais est-ce que c'était bien les enregistrements de tes émissions? Oui. Ça s'est bien passé les émissions cette semaine? Oui, j'ai fait une émission sur les vieux, les seniors sont des supermen et des superwomen. Non. C'est pas vrai. Claude nous en a pas parlé du tout. Non, mais c'était quand ça? Bah, c'était aujourd'hui à 13h en direct. Hein. Ah ouais? Là ce midi? Eh oui. En direct à 13h. Et vous savez ce qu'il a fait? Non. Il m'a donné du champagne. C'est pas vrai. Du champagne dans la loge, du maquillage. Non, du ça a commencé chez toi. Il en a mis partout sur le trottoir, dans le taxi. Mais tu serais pas venu sinon. Claude sera dans l'émission aujourd'hui alors. Ouais, c'est une émission en plus sur les. Le sexe et le troisième âge. Le travail et le troisième âge. Et le quatrième âge d'ailleurs. Parce que j'avais Roland Dumas qui n'est pas de première jeunesse non plus. Hein. Elle nous a dit que c'était sur France 3 banlieue. Non, je l'ai mis à ma droite. Et durant toute l'émission, ça a été ma protégée. Elle pourra jamais c'est dire vrai, le contraire. Mon amour, c'est vrai, mon bouboulique. Bon, en tout cas, ça l'a démoralisé, Claude. Mais non, je vais préparer une voiture, je vais préparer le champagne, je l'ai tenu par le bras. Eh bien, alors que vous êtes méchante langue, alors. Hein. Oui, mais non, tous ces vieux, ça l'a déprimé. Voilà, c'est ça. Très bien. Et puis, dernière info. Il y en a quatre. Oh la vache. Ah oui, il y en a quatre pour lui aujourd'hui. Ah ouais. À partir du 1er juillet 2012, les enseignes des magasins devront être éteintes de 1h à 6h du matin. Ça, c'est en tout cas Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui a pris cette décision. Assez bien, vous trouvez, Stevie? Oh, c'est triste. C'est triste. Une heure du mat. Non, c'est triste. Parce qu'une heure du mat, après, t'as toutes les zones industrielles qui sont allumées. À quoi bon gâcher d'électricité? Dans les centres-villes, c'est dans les centres commerciaux, en banlieue des villes, là où t'as tous les Décathlons, les Auchan, les partout. Mais alors ça veut dire sur les Champs-Élysées, ça va être noir? Alors, c'est ma question. Me fait du souci pour Pierre Bénichoux, tu te rends compte comment il va faire? Pierre, ça veut dire quoi? Il faut que tout le monde revienne. Il y a un moyen d'éteindre, ça se programme? Ah bah oui, t'as des minutes. Parce que s'il faut que tout le monde revienne à 1h du matin pour éteindre les enseignes et à 6h du mat pour les rallumer. Non, mais vous avez raison, ça veut dire qu'ils doivent mettre en place sur
sûrement des trucs automatiques qu'ils n'ont pas pour le moment. Mais bien sûr, c'est ça ma question. Alors ils vont les éteindre à 19h. Ça veut dire que ça va faire le bonheur de certains. Ma question c'est, est-ce que tout le monde est équipé pour pouvoir éteindre son enseigne à 1h du mat? C'est pas si évident que ça. Bah vous avez raison, on va monter une petite société d'éteignage. Mais c'est ça, non, on va faire notre beurre avec ça. Ouais. Vous savez que vous pouvez les éteindre. On va engager Pierre Bénichou. Il peut passer sur tous les champs. Non, mais il peut les rallumer en rentrant à 7h du matin. Est-ce qu'on va éteindre également les affiches publicitaires lumineuses dans le genre ABUS aussi. Ils en parlaient aussi. Mais bonne question, ouais. Jérôme. Oui. Alors là, vous avez du boulot, Paul. Hein. Oui, j'ai du boulot, mais vous vous tourmentez pour des tas de choses, Laurent. Vous mettez dans un état, soyez plus zen. C'est vrai, tout ça, ça vous contrarie, toutes ces questions, vous n'avez pas vos réponses. Paul, il y a un autre truc, d'ailleurs. Tiens, je peux rajouter. Non, soyez gentil, dites-moi au revoir. Là, bah si, t'avais qu'à te taire et dire au revoir. C'est bien pour... Fallait pas la j'ai ramener. J'ai un contrat pour 3 challenges. J'ai pas un contrat pour 5 challenges, vous avez. Non, mais parce que tout à l'heure, on a parlé de Césaria Evora qui chantait... Oui. Sandales, où est-ce que j'ai foutu mes sandales? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurent? C'est nul. Je m'aperçois que c'est nul, en fait. Ah, ça y est. Un peu lucide. Non, mais c'est peut-être la cinquième fois que c'est nul, la première fois, c'était... Justement, non. À propos de l'équipe, j'ai aussi Claude Sarotte qui voudrait vous confier la dernière enquête, cher Paul, puisque vous savez, Claude habite l'île Saint-Louis, pas loin du quai de Bourbon, et on nous annonce justement dans la presse ce matin que demain sera inaugurée sur l'île Saint-Louis à Paris, quai de Bourbon, une place Louis Aragon pour célébrer le trentenaire de la mort du poète. Alors d'abord, où est-ce qu'elle va exactement être, cette place? Est-ce que ça va emmerder ou gêner Claude Sarotte pour faire ses courses demain? Est-ce que on nous dit que Bernard Lavillier lira des textes de l'auteur? Est-ce qu'il y a une sono prévue? C'est mieux que l'inverse, remarquez. Oui. Que quoi? Que Louis Aragon qui chante du Bernard Lavillier? Ouais. Non mais il est mort, Louis Aragon, Caroline. La preuve, c'est le trentenaire de sa mort. Qui sera invité? Qui va être là pour inaugurer la place Louis Aragon? Bon, bref, toutes les petites infos que vous pouvez grappiller à droite à gauche, Paul. Et puis Claude pourra tout voir sa fenêtre, hein, c'est bien ça. Ce que vous savez si bien faire, évidemment, Polo, à propos de ce genre de petites infos dont tout le monde se fout. Je suis un expert, vous le savez, oui. Laurent? Oui, Paul. Oui, bon, non, on va pas rester comme ça des heures. On se dit au revoir, comme d'habitude, poliment, et puis on se retrouve tout à l'heure, vers 5h20 à peu près, non? Exactement, 17h20, vous savez tout, Polo. Vous faites tout vous-même, puisque vous faites tout vous-même. Est-ce que vous pouvez dire, on va voir s'il sait le faire. Il est bientôt 16h, on se retrouve après les titres de l'actualité. Bon, il est bientôt 16h, on se retrouve après les titres de l'actualité. Parfait! Bravo.